Alors aujourd'hui, avec mon compagnon, on s'est installé en élevage de chèvres depuis septembre dernier, donc ça fait 9 mois. Donc on est à Cellier, en Savoie, au pied de la télécabine de Valmorel. Et on fait un petit élevage. Pour l'instant, on a 30 chèvres, dont 14 bébés, 15 bébés. Donc que 10 chèvres en lait et puis des chèvres qui ont fait leur premier bébé cette année. Donc ça fait pas beaucoup de lait, ça fait 5 litres par jour, donc on vend un petit peu à la ferme. On fait des visites et on est très heureux. Alors là aujourd'hui, une journée type, ben on se lève aux alentours, enfin moi je me lève aux alentours de 8h pour aller donner le foin aux bêtes avant la traite. Après, elles mangent un peu, je les fais monter sur le quai avec du grain, je traie. Ça me prend à peu près une heure parce que je traie à la main, même si j'ai que 10 chèvres à traire maintenant. Ça met un peu de temps, comme on traie au pot et tout. Pendant ce temps-là, Léa, elle est en fromagerie, donc elle réceptionne le lait et puis elle met les ferments, elle en présure, elle moule. Voilà, elle fait son travail de fromagerie. Et une fois que la traite est finie, ben on sort les chèvres au parc et là elles pâturent jusqu'au soir. Pendant ce temps-là, nous, ben, on fait souvent des petits travaux, on a toujours un truc à réparer, un truc à améliorer. Il y a toujours quelque chose à faire à la ferme, où je fais d'autres parcs, où je coupe du bois. Puis il y a les visiteurs qui arrivent généralement dans l'après-midi. Donc là, généralement, c'est le temps des visites en ce moment. Et puis voilà. Et ben oui, quand on est arrivé, il s'est passé un truc complètement fou. Enfin, on s'y attendait pas trop. Parce qu'il y a le mythe du montagnard un peu renfermé. Et en fait, ici, c'est pas du tout le cas. Et il y a une solidarité assez liée. Par exemple, voilà. Tous les jours, tout le monde passe et on fait coucou à tout le monde. Donc on est 40 et on voit 40 personnes tous les jours qui nous font coucou et qui parfois s'arrêtent, tapent la discute, prennent une bière et quand ils disent « Ah bah t'es en train de faire ça, bah viens je t'aide » et on est aidés pour tout, on a été aidés pour le bois, pour le foin, pour la paille, pour un petit peu les barrières, enfin dès qu'il y a besoin les gens arrivent, même quand il n'y a pas besoin ils viennent, pour le moral, pour tout. On a un système de parrainage où nos chèvres ont presque chacune un parrain. On a encore quelques places vacantes où on demande pour 10 euros par mois en soutien. On vous offre la possibilité de choisir votre chèvre, de lui donner un nom. Vous recevrez des nouvelles toutes les semaines de ce qui se passe à la ferme, de comment vont les chèvres, etc. avec une ou deux photos. Et puis vous pouvez venir chercher quelques fromages gratuits aussi, 6 fromages par année. Voilà, donc c'est un petit soutien pour nous, comme on débute. Si vous avez envie de passer en Lozière, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à venir voir les chèvres. Nous, ça nous fait toujours plaisir de montrer ce qu'on fait.